pas à bruit, hein? Voilà, on est sur le sentier de randonnée du lac d'Aire. Comme on peut le voir, on est un petit peu surpris, il y a de la neige là, pourtant on est en plein mois de février, on ne comprend pas trop pourquoi. On nous parle de réchauffement climatique, ta pollution, rouler 20 km/h de moins. Regarde, à 1700 mètres, il y a de la neige, donc moi j'y crois pas au réchauffement climatique. Donc autre chose, comme tu as entendu, il n'y a vraiment aucun bruit. Hein. Bon, quand je ferme ma gueule, il n'y a pas de bruit. Bon, il y a un piaf là qui. Bon, on ne peut pas s'empêcher là de. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas un patou. Il n'y a pas un patou là, parce que bon, ben, il n'y a pas de troupeau. Donc pas de troupeau, pas de patou, et voilà, et tout le monde est content. Voilà. Donc on va essayer d'atteindre quand même le lac d'Aire qui se trouve par là-haut, normalement. Et voilà. Allez, en vous remerciant. Après 3 heures de marche dans la neige, dans la bonne poudreuse, hein, c'est très très bien pour skier, par contre pour marcher, c'est plutôt casse-couille. Bref, nous sommes enfin arrivés au lac d'Aire qui se trouve, nous le répétons, dans la vallée d'Ossau, entre la Reims et le col de Portalet. Enfin bon, tu te démerdes, tu regardes une carte. Hein. Voilà, et donc le lac d'Aire, le Dair des Dairs, est juste derrière moi. Pas trop me pencher parce qu'on est un peu sur une crête, ça y est. On peut voir, et là, bon, bah c'est. C'est un endroit idéal pour se baigner, enfin pour faire du patin à glace, enfin pour faire se baigner en patin à glace aussi, oui tout à fait, pourquoi pas. Voilà, le lac d'Aire, un très très beau lac, peut-être. Là aujourd'hui, c'est pas évident de dire comme ça. Mais il est bien niché, hein, il est bien niché. Et une fois de plus, pas un bruit, hein. Ah, là, on n'entend pas là. Pas les Espagnols en train de manger des churros en buvant du vin chaud. Là. Santé, à bientôt pour de nouvelles randonnées extrêmes. Der, der, der.